baffe sur le Deus. Salut les amis, c'est Napo. C'est le jour de la fête des pères. Vous voulez quoi les gars? On est tous en bande là, on est trois. Pourquoi? Oh, il m'a craché dessus. Oh putain de merde. Oh putain, regarde. Oh putain, enculé. Bah il t'aime bien. Oh putain. Dégage, enculé de la merde là. Oh putain. Oh les gars, vous êtes dégueu, faut prendre un mouchoir là. T'as là au milieu des chevaux, voilà. Oh putain. Les petites filles là-bas, les petites doudounes là, on le reconnaît, et moi-même. Ils sont magnifiques ces chevaux-là, ils sont magnifiques. Voilà, bon bah le champ il est pas terrible, alors du coup, on regarde les chevaux. Voilà, Wally. Ah, Titi annonce monnaie. On va aller voir ça. On va aller voir ça gentiment. Moi je continue à filmer mes amis. Moi je laisse pas le détecteur traîner par contre du coup, parce que... Ils sont quand même pas légers ces petits chevaux là. Ils marchent dessus à mon avis. Voilà voilà. Bon bah s'il y a une monnaie là-bas je vais rallumer. Ok, bah à tout à l'heure. Là, les amis, comme quoi nous on rigole pas dans le fofo hein. Voilà l'ami Doudoune là, bah, vous voyez, il est avec les agriculteurs. On se galère depuis tout à l'heure pour essayer d'avoir des autorisations, c'est impressionnant. En fait, on trouve pas trop les propriétaires de champs. Et voilà, et l'ami Doudouna, il est en train de négocier fortement avec, avec nos amis agriculteurs. Wally Walou, bah on va tourner au jus si la caméra est rallumée, c'est qu'on aura eu l'autorisation tout à l'heure. Ouais, bah salut tout le monde. Écoutez, bah après la petite autorisation de Doudoune là, que j'ai filmé tout à l'heure là. Là-bas, un petit peu toute la troupe, je sais pas si vous les voyez, je vois pas grand chose. Et puis il y a du vent, donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Là-bas on peut voir Titi Roméo, Titi Juliette, le petit Doudoune. Doudoune qui est caché là-bas derrière les balous, quelque part par là. Et puis moi ici, un petit trou, une petite monnaie qui est ici. Voilà, voilà. Donc Titi Juliette aussi qui a fait un DT là-bas, je prendrai tout à l'heure en venant quand j'irai aller voir. Donc voici la monnaie. On est sur du liard de France. Ouais, c'est épais comme un liard de France. Voilà, voilà. Bon, bah ça fait du bien parce qu'on a tourné quand même pendant pas mal de temps pour essayer d'avoir des autorisations. En fait, c'est compliqué, il y a des champs partout. Et qui sont coupés, tondus, enfin voilà, avec les ballots, mais bon, on n'arrive pas à voir les propriétaires. Wally Walou, donc bah petite monnaie, on a changé aussi de secteur, on n'est plus du tout par chez nous, là on a fait un peu de kilomètres. Wally Walou. Bon, et bah je vous dis à tout à l'heure s'il y a d'autres monnaies, de toute façon je prendrai celle déjà de Titi Juliette tout à l'heure. Et je pense qu'il y en aura d'autres parce que le champ a l'air d'être pas trop mal. Tout à l'heure, là, bah petite trouvaille ici de Doudoune, hein. Un petit bouton, je sais pas si on m'entend beaucoup avec le vent, donc je vais essayer de parler fort. Un petit bouton assez ancien quand même. Voilà. Bah, il est un peu fatigué le pépère. C'est bien mis en... Ah la vache, le vent, la vache. Ok. Bon bah voilà, vous l'avez vu. Et puis une Savo Roro. Une Savo Roro de tout à l'heure aussi. Voilà, enfin Roro. C'est vite dit, une Savo maintenant. Voilà. Tiens, pendant que tout le monde est là, bah... Si t'as ton bouton. Puis Juliette, si t'as ta... Ta monnaie. Voilà, bon bah on a à peu près la même. Ah oui, ça c'est un liard. C'est pas trop mal ici. Ah, peut-être un DT, je sais pas. Donc petite monnaie de Titi Juliette qui a ouvert le bal d'ailleurs. Hop, c'est pas trop. Ouais, un DT sûrement. Hop, voilà, le vent se calme, on en profite. Tiens, tac. Et de l'autre côté, attends, est-ce que j'ai mon détecteur sur la hanche? Et le bouton de Titi. Voilà. Pas trop ce que c'est comme bouton. Il est très fatigué. Très très fatigué. Bon bah pas mal hein, quand même ce bout de champ là. Il est pas grand mais on a fait sortir 2-3 trucs. Tout à l'heure. Bah, les amis, nouvelle petite trouvaille. Alors je sais pas si vous entendez avec le vent là parce que c'est compliqué. Donc un petit truc était ici. Alors c'est assez sympathique. Je sais pas si vous voyez la caméra. Pas évident. Voilà, c'est assez gravé, c'est assez sculpté. Alors, je pense je sais pas trop. Un bouton, c'est un peu gros quand même pour un bouton. Une médaille peut-être. Médaille décorative, je sais pas trop ce que ça représente en fait. Ouais, c'est bizarre, c'est pas tout jeune non, ce truc là. Hop, c'est un peu crado. Ouais, ça doit être une médaille, je pense. Peut-être une médaille, mais elle est pas vilaine. Hein. Elle est pas vilaine, elle est assez ancienne. Enfin voilà, bon, on nettoiera ça. Si elle est pas trop moche, je le prendrai en photo. Enfin, je dis ça, puis je le fais jamais, mais il faudra un jour que je me force à le faire.
Voilà, bon, elle est pas moche. Hein. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, bah, les amis, on a encore changé de champ. Là, on est sur un autre champ. On était tout à l'heure loin de la ferme. Là-bas, il y a Titi. Là-bas, il y a Doudoune. Et moi, je fais une monnaie. Là, au bord du chemin. Juste après le petit bouton, là. Donc, elle est dans la motte. Vous voyez. Hop, elle est ici, dans la motte. Voilà, vous voyez, là, ici, là. Je sais pas ce que c'est. On va regarder ensemble. Hop. Hop, qu'est-ce que ça peut être que ce truc? Oula, pas trop frotter, c'est assez fragile. C'est assez fragile. J'ai la patine qui se barre avec, alors je vais pas trop frotter. Je sais pas trop ce que c'est. C'est assez gros. Monnaie, hein. Je sais pas trop ce que c'est. Wali walou, si j'ai plus d'infos, je vous le redirai sur la vidéo. Tout à l'heure. Salut tout le monde, c'est Napo. C'est dimanche 29 juin. Voilà, petite sortie en forêt avec la pluie, avec nous. Donc je suis avec l'ami Titi qui est là-bas, il est en train de creuser. On commence à rentrer et moi j'ai eu un bon son juste avant de rentrer, donc je me suis dit je vais creuser. Et j'ai bien fait, c'est une monnaie. Donc vraiment en surface. Hein. Vraiment en surface. Elle est ici. Je sais pas si vous voyez comme moi, c'est un bon vieux 10 centimes de francs. Voilà. Ils disent pas, ces monnaies-là, elles sont belles encore. Alors, pour l'année, attendez, hop, 1986, voilà, 10 centimes de francs semeuse, 1986. Voilà, bon, bah, j'espère que le bois promet. Si on a des trouvailles, on rallume, hein. Ok? On garde encore un petit peu le cadre. Bien sympathique, on va s'enfoncer là-dedans là. Tranquillement là. On va filer dans le chemin là-bas. Puis on verra bien jusqu'où ça nous emmène. Mais au moins si la pluie ne nous arrête pas. Voilà voilà. Bon à tout à l'heure. Voilà les amis, petite trouvaille de Titi. Un morceau de poids monétaire. Voilà. On va vous dire c'est quoi comme poids monétaire. C'est pas trop, mais c'est un morceau de poids monétaire, juste la moitié. Dommage qu'il n'y a pas l'autre bout. Demi-poids, ouais. Wali walou. Tout à l'heure. Bon bah les amis, après une petite balade dans le bois en fait, une petite heure avec Titi. Du coup, bah, on est ressorti, on a fait son petit demi-poids monétaire là. Puis moi je fais un petit trou là, juste là, j'avais perdu. Et en fait elle est ici. Alors rassurez-vous, c'est pas de l'or, hein. Enfin je pense que c'est un franc. C'est du franc. Ah même pas, dis donc. Ah bah c'est du zéro, alors et ça. 10 centimes de zéro. Voyons, c'est pas l'endroit pour trouver ça. On est du championneur, surtout que les voitures, ça fait belle lurette, ils ont plus le droit de venir se garer par ici. C'est bizarre. Mais bon. Wali walou, petit 10 centimes d'euros. Quelle année celui-là? 2001. Voilà, 2001. C'est belge, ça, je crois. Ok, bah tout à l'heure. Ah bah les amis, là, je suis super, super, super content. Voilà, j'en ai déjà fait un bouton comme ça. Et ouais, parce que j'ai trouvé un bouton. Voilà, vous le voyez dans la motte là, qui est ici. Et j'ai à peine gratté déjà et j'ai vu ce que c'était. Donc, c'est un bouton qui est en or et en argent. Qui fait partie d'une compagnie ici de. Qu'on a autour de chez nous là. De... Une compagnie de. Il y a un équipage de chasse en fait. Voilà. Qui est de la Rochefoucauld en fait. Et c'est un bouton qui fait faire pour ses invités. Enfin, il a toute une histoire. Et il est. Waouh, 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 il est magnifique! Il est magnifique, j'en ai déjà fait un, mais celui-là, waouh! Alors, il est tout en argent, fait en main en fait. Il a une histoire, hein, je pourrais mettre le lien, le pire. Il est tout en argent. Et il est doré et en argent au milieu. Voilà, je ne sais plus trop. Et c'est de l'or. Je peux vous dire qu'il pèse, il pèse son poids et il est magnifique. Je suis trop content. Regarde ça. Trop, trop content. Et les moustiques qui s'acharnent sur moi. Il est trop beau, regardez la tête de sanglier. Waouh, là c'est du fait main en fait. Tu sais, il y en a un dans le musée de je sais plus quoi aussi. Il est assez ancien comme bouton en fait. Il est début 20e en fait. Et voilà, un bouton de vénerie, voilà, c'est le nom que je cherchais. De l'équipage du Duc de la Rochefoucauld. Voilà, voilà. Et ben je suis content, voilà, j'ai gagné ma sortie. Tout à l'heure. Yeah.
Les amis, c'est tranquille. Petit morceau de bois. Un prospecteur là-bas qui arrive dans l'allée. Un avion dessus. Et une mollet par terre. Voilà, j'ai creusé ici. On a un tout petit trou, hein. C'était vraiment la surface. Et elle est ici. Et c'est une 20 centimes. C'est de bon vieux regrette des francs. Voilà. Vous voyez. Crac. Crac. 1967. Voilà. 20 centimes. 1967. En super bêta, bien sûr. Comme tous les francs. Et les moustiques qui sont tout le temps là. Mais en super bêta, comme tous les francs qu'on trouve. Hein. Pas comme les euros. Enfin, à part le euro de tout à l'heure, mais il était récent. Voilà, voilà. Bah, tout à l'heure. Ah, les amis, petite monnaie de Titi là dans le chemin en venant me voir. Ah ouais, petit bazar. Un petit 1 franc bazar. Elle est en bel état. On a lu. Voilà, 1959. Ah, elle est belle. Belle petite monnaie. Un petit coup de citron là-dessus. Et c'est reparti comme toute neuve. Elle est magnifique. Voilà, voilà. Bah, tout à l'heure.